Hello, so my name is Hugo Gimbert. I am both a researcher in computer science in a lab and also an entrepreneur in a startup called Roban System. And today I'm going to tell you about some work I did with Emmanuel Labry from Elatech, a company actually building tractors and machines for agriculture, and Steve Nguyen, which is working for the university in my lab. Okay. And actually, I know I will switch to French because my slides are in French, and so I vais parler en français. Parfait. Donc, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de la manière dont on peut envisager de réaliser la transition du tracteur d'aujourd'hui au robot de demain. Et je vais essayer de vous montrer une possibilité de réaliser cette transition en plusieurs étapes et en essayant de minimiser le facteur risque pour l'exploitant qui passe d'un type de travail conventionnel avec un tracteur conventionnel à une des machines qu'on a vues aujourd'hui, un robot agricole. Alors, ça c'est pour changer les slides, j'imagine. Ouais. Alors, avant de parler des tracteurs eux-mêmes, je vais parler des outils. Parce qu'en fait, on peut difficilement dissocier un tracteur des outils qui sont utilisés par le tracteur, l'un sans l'autre étant inutile. Alors ça, c'est sur ce slide, vous voyez une démonstration vidéo d'un outil intelligent qui s'appelle Bip Bip, qui est développé dans le cadre d'un projet avec un consortium qui réunit des universitaires, des exploitants, les fermes Larère, et puis Elatech et Roban. Et le but de ce projet, et dans ce projet, on a développé un outil qui permet de faire un binage intra-rang de précision. Donc l'idée étant bien de biner entre les plantes, sur le rang et à l'intérieur du rang, en se basant sur un système de reconnaissance par réseau de neurones, de caméras, comme on a vu déjà plusieurs exemples aujourd'hui et hier. Ce qui est spécifique, c'est qu'on vise à les cultures à faible écartement. Donc in fine, ultimement, on vise à pouvoir biner à l'intérieur des rangs de carottes. Pour l'instant, c'est le faire sur le maïs et le haricot, mais on vise vraiment les cultures très serrées. Et qui dit culture à faible écartement dit un besoin de précision très subcentimétrique. Donc on vise vraiment un guidage de l'outil subcentimétrique et donc une précision pas si facile à atteindre. C'est un vrai challenge au niveau du contrôle et de la reconnaissance. Alors, cette recherche de précision subcentimétrique, elle impose, en tout cas pour l'instant, au stade de notre développement, un débit de chantier assez faible. C'est-à-dire qu'on va avoir des vitesses d'avancement clairement inférieures à 1 km/h. Et du coup, si on a en tête la future commercialisation de ce système, il est clair qu'il ne sera pas équipé sur des tracteurs fonctionnels, conventionnels. Il faudra l'équiper sur des porteurs autonomes ou semi-autonomes qui sont capables... Qui sont capables de réaliser des longues séquences de travail à faible vitesse sans pour autant mobiliser un opérateur. Donc il y a ce besoin d'un porteur robotisé, et là la question se pose naturellement, c'est quel porteur on peut envisager pour emporter cet outil et pouvoir travailler à des faibles vitesses pendant longtemps. Et une solution possible, et la solution qu'on a choisie, c'est d'utiliser deux systèmes, à vrai dire, qui sont développés par Elatech. Le Tractelec, d'un côté, qui est un tracteur électrique, qui reprend le principe du tracteur avec deux roues pour la propulsion, deux roues arrière de fort diamètre et deux roues pour la direction avant de plus faible diamètre, qui est un tracteur pour le maraîchage et qui a pour principale particularité d'être électrique, donc tout sur batterie, plus d'huile, plus d'hydrocarbures, plus de moteur à explosion. Et déjà, sur ce Tractelec peut être autonomisé, il peut être piloté par RTK, et on a déjà une première transition d'un tracteur conventionnel vers un robot autonome, c'est ce Tractelec où on a une première étape qui est une première problématique, c'est de passer d'un moteur à explosion à un moteur électrique et du coup de prendre en compte dans les cycles de travail quotidiens les temps de charge, de recharge de la batterie et les infrastructures associées. Bon. Ensuite, une deuxième problématique, c'est d'apprendre à travailler avec un robot autonome ou au moins de le laisser en semi-autonomie sous surveillance.
Typiquement, en paramétrant un trajet à suivre pour réaliser une tâche, type désherbage ou tonte. Et c'est déjà quelque chose qui peut être fait sur le Tractelec. Et on voit que déjà, avec le Tractelec, on est dans un entre-deux où on peut l'utiliser comme un tracteur conventionnel, c'est-à-dire avec un opérateur qui le conduit à manière d'un tracteur normal, ou l'utiliser, lui donner un degré d'autonomie. La deuxième étape vers la transition progressive vers un robot autonome, c'est avec le e-tract, où cette fois-ci, il n'y a plus de place pour l'opérateur. Et on a un outil qui a vocation à être un robot, un tracteur qui a vocation à être totalement autonome, ou éventuellement télécommandé pour les séquences de transition, par exemple entre pendant les phases de chargement-déchargement sur un transporteur, par exemple. Et voilà. Et donc là, on a un continuum entre un tracteur conventionnel à explosion et un robot autonome pour l'agriculture. Alors ces deux machines ont vocation à travailler en fait en symbiose, puisque dans cette transition progressive, on peut faire passer le Tractelec et repasser le e-tract. C'est-à-dire que typiquement, le Tractelec peut être utilisé pour définir des trajectoires, définir des tâches à réaliser, et ensuite le e-tract peut reproduire ses parcours et également reproduire les actions effectuées au niveau des outils sur ces parcours. Donc on peut imaginer un Tractelec qui ouvre la voie et qui est utilisé sur un premier passage dans un chantier, et ensuite un ou plusieurs e-tracts qui repassent et qui sont capables de répéter les mêmes séquences, cette fois-ci de manière autonome. Voilà. Pour conclure, je voudrais préciser que ces deux plateformes sont open source. Donc, elles n'ont pas vocation à être des plateformes fermées ou elles sont ouvertes à l'évolution, elles sont ouvertes à l'expérimentation. Donc, tout est sur CANBUS, documenté. Et également, les algorithmes et le système d'exploitation est basé sur ROS. Donc, en fait, ces deux plateformes sont utilisables éventuellement par des sites d'expérimentation pour développer des nouveaux outils, pour développer des nouveaux usages. C'est le choix qu'a fait d'ailleurs le CTIFL de Langsad en acquérant un e-tract pour son site. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus par la nécessité d'une transition progressive entre le tracteur d'aujourd'hui et le robot de demain, et que c'est une des pistes possibles, c'est de passer par ces machines. Et si vous avez la moindre question, je peux y répondre. Merci. Merci Hugo. Effectivement, on peut prendre 5 minutes pour répondre à d'éventuelles questions. Il y en a une au milieu de la salle. Bonjour, vous dites que le projet est open source, le tracteur aussi est open source? La mécanique, je parle. Non, la mécanique, à ma connaissance, n'est pas open source, mais je parlais des briques logicielles. Une autre question peut-être? Oui, au milieu de la salle, monsieur. Oui, mais je suis convaincu, comme vous, de la transition électrique. Mais moi, j'irais plutôt pour être agriculteur, donc praticien, tout le terrain, avec la vision informatique, bien sûr, parce que je suis un ancien informaticien industriel. Moi, j'opterais plutôt pour des petits robots, une multitude de petits robots qui font le travail. Est-ce que vous vous dirigez vers ça avec des logiciels open source ou vous restez sur votre Tractelec? Parce que moi, je verrais le petit robot comme un Ayoub, mais encore plus petit, parce qu'un Ayoub est trop gros encore, pour faire du désherbage, parce que moi, je suis agriculteur bio, et du désherbage interrand sur des faibles écartements, type céréales, où si c'est trop écarté, on en perd du rendement. Donc, voilà, est-ce que vous avez ça aussi dans votre viseur de recherche, des tout petits robots qui seront autonomes, guidés par RTK, évidemment, et tous les systèmes anti-obstacles, et tout ce qui va bien, quoi. Merci pour votre question. Au sein de Urban System, on n'a pas ce type de projet. On pense que pour quand même la plupart des tâches agricoles, il y a une certaine puissance nécessaire et aussi une certaine capacité de franchissement d'obstacles type ornières, boueuses, etc., qui quand même, du coup, sur les projets basés sur des petits robots, imposent beaucoup de contraintes sur les sites où les petits robots vont évoluer.
Mais il y a des projets comme Viti Rover, par exemple, qui partent de cette philosophie et qui se basent sur des flottes de petits robots pour désherber dans les vignes. Donc c'est effectivement une des possibilités, mais c'est pas notre choix. On croit à des architectures type tracteur qui sont robustes, qui ont fait leurs preuves dans le temps, et qui sont aussi sécurisantes pour quelqu'un qui réalise la transition d'un tracteur vers un robot.